aujourd'hui on se retrouve sur Equideo. Donc j'allais sur la version classique parce que mon application me faisait du caca, hein, clairement. Elle faisait n'importe quoi, donc j'ai décidé d'aller sur la version classique parce que c'est plus simple. Donc bah, je vais vous présenter tout de suite mes chevaux. Donc on va commencer. On va commencer par Ushuaïa, c'est obligé qu'elle soit là, bien évidemment. Donc voilà, elle a 6 ans. Je vais vous montrer un peu son arbre généalogique peut-être. Elle a fait 2 CI. Mais je suis déjà sur la version classique. Bah voilà, c'est mon premier cheval. Donc c'est Uranus, c'est Gaïa. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus puisque c'est un peu inutile. Et on va passer au second cheval. Donc c'est Criolo Argentin, parce que j'ai reçu. Et qui s'appelait Criolo Argentin. Hein. Il a 6 ans et 6 mois. Donc sa santé elle est pas au top. Il est pas... C'est plus que ça fait pas mal de temps que je peux y aller. Et ben il est pas en pension. Donc voilà. Alors lui il a pas fait de CI parce que c'est un ongre. Voilà. Mais je pense que c'est pour. Ensuite, nous avons Voltaire Suprême. Je sais pas pourquoi on l'a appelé Voltaire, mais c'est comme ça. Donc je l'ai aussi castré. Parce qu'il a fait une série et il a des descendants. Donc son arbre généalogique, c'est sa mère. Son père c'est Echo de Pitolvert, il a 28 ans et 2 mois. Bah sa mère c'est Ushuaïa. Son grand-père paternel c'est. Ok. Et sa grand-mère paternelle c'est Caitlin. Et bien sûr, son grand-père et sa grand-mère paternelle c'est Uranus et Gaïa. Donc voilà, je vais vous montrer ses descendants. Non, c'est un cheval, je vous ai pas dit sa race, c'est un cheval canadien. Et donc descendant. Discrice Ruiz Cher. Donc voilà, c'est lui. Je pense qu'il est à vendre. C'est un trotteur d'Orlov. Qui a 4 mois. C'est quoi ça? Donc voilà. Ensuite on a Athéna. C'est un paint horse. Je crois que c'est comme sa mère, je suis pas sûre. Donc elle a 3 ans et 6 mois. Elle a fait une CI. Donc ses descendants, c'est Eric Weiss des Boss Guys. C'est un trotteur français. Donc voilà, mais ça va venir plus tard. Donc voilà, c'est tout pour celle-là. Et bien sûr, son père, je suis pas sûr qui c'est. Mais je crois que sa mère, c'est Ushuaïa. Avec Voltaire, non. Enfin, je sais pas. Et on a pour terminer Arigways des Boss Guys. Donc voilà. Donc c'est encore un poulain. Donc je montre son arbre généalogique. Son père, c'est un Akalteke. Il s'appelle Sydney. Sa mère, c'est Athéna. Donc, ok. Son grand-père maternel, c'est Monsieur Pete Top Bébroulé. Donc c'est la mère d'Athéna. Et Ushuaïa. Et du grand-père paternel, on a Prisme et Cristal. Ils sont trop beaux ces chevaux, sérieux. Donc voilà, c'est tout pour les chevaux que j'ai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Annie Slash. Bisous mes petits pouns.